C'est le matin. On est mal réveillé, un geste maladroit. Et là, c'est le drame. La tartine de confiture tombe et s'écrase au sol, toujours côté confiture. Pourquoi ? Il y en a qui disent que c'est à cause de la confiture. Elle n'y est pour rien là-dedans. Dès l'instant où elle bascule, elle entre en rotation. Seulement, la table ne fait que 75 cm de hauteur. La chute ne dure que 39 centièmes de seconde. Dans ces conditions, la tartine, qui fait environ 10 cm de longueur, n'a le temps d'effectuer qu'un demi-tour. Résultat, elle s'écrase côté confiture. Un conseil, faites-vous des tartines deux fois plus petites ou utilisez une table deux fois plus haute. Elles auront le temps de faire un tour complet et elles tomberont du bon côté. Ou alors mangez des céréales.